Cosmo, Cosmo Cat. Dans une sombre galaxie, lointaine et ignoble, Master of Orion, bienvenue, c'est l'épisode 14, bonjour Ishkul. Bonjour à tous. Alors je suis en train de centrer la caméra sur un système qui s'appelle Capella. Tu vas chanter à Capella, c'est ça? Ouais, ça va être le dernier système que je vais conquérir. Et oui, parce qu'en fait il te reste deux systèmes de Trilarian, dont celui-ci. Oh. Et je vois qu'il a 5 planètes, enfin 4 planètes et une gazeuse. 5, une gazeuse c'est une planète aussi, je me bafouille. Bon bah écoutez, c'est parti. Alors moi je prépare une flotte pour les clacons contre un astico d'espace et je passe mon tour. Et en techno, oui, après planétologie, je vais chercher la techno pour les sauts de points rouges qu'on est bloqués, ouais. Ce qui veut dire qu'on pourra faire alliance enfin. Allez, un officier qui est promu, production. Au fait, j'ai trouvé un petit truc récemment. Ah. Si t'as des problèmes de pollution et que t'as tous les trois bâtiments pour contrôler la pollution. Oui. Un truc, enlève un gars qui fait de la production. Ah oui, on est ouvrier. Ça va réduire le niveau de pollution. Oui, il faut jouer avec ça. Ça, il n'y a pas de lézard. Hop. Bon, mais moi, j'attaque. On va d'ailleurs faire le recyclotron, justement. Aucun problème de mon côté. Mais je le sens bien. Alors, ma flotte contre les pirates, j'y touche pas. Ouf. Ok. Les améliorations de vaisseau. J'ai craché encore 300 crédits. Alors, un portail ontarien, c'est pour ma pomme. Allez, ça y est, je crois qu'il m'en veut. Hein. Toujours le système des planétaires, Bacha. Tu es encore attaqué? Ouais. Oh, que c'est cool de ne pas avoir à m'en occuper. Ils disent un truc intéressant dans leur scénario. Longtemps, les miens furent emprisonnés par la décadente Orion. Le gardien les gardait. Oh. Et ils attaquent. Orion, c'était d'après l'histoire du jeu, Orion, c'était le planète système qui maîtrisait toute la galaxie. Ouais. Ah, mais il est beaucoup trop fort par rapport à moi. Qui ont été détruits. Puis tout ce qui reste de leur civilisation, c'est le gardien. Un genre de gros robot gigantesque qui protège leur planète. Ouais. Il est assez dur à tuer. Est-ce que je l'attaque justement? Moi j'ai qu'une petite flotte, 159 de dégâts, 737 de défense. Et lui il a quand même 239 de dégâts. Ah, moi j'attaque les Trilariens. Ils ont une base stellaire de niveau 10, ouais. Une base de missiles, un destroyer, 3 frégates et 2 éclaireurs. Ouais, c'est mort. Hein. Moi j'ai 6 croiseurs. 4 destroyers, une frégate et un transport militaire. Et en plus, j'ai dépensé tout mon argent avant. J'ai même plus d'argent pour acheter un truc. Ah ben, j'ai juste un vaisseau qui est endommagé. Ah la vache. Défense missile 12. 480, bah ouais, mais j'ai pas les sous. Et je largue mes bombes atomiques. Bon, en même temps, mes vaisseaux sont pas à jour, j'ai pas envie de mettre une fortune. Écoute, je vais essayer de sauver un peu ce monde. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je suis en train de sacrifier ma flotte, mais comme elle est pas à jour, la plus grosse, là... J'en ai pour plus de 1000 crédits, 1200 crédits à rénover. Des fois, ça vaut mieux le coup de les reconstruire. Alors... Ouais, tu gardes ceux qui sont les moins bons, tu les mets en défense, puis tu utilises pour faire de la reconnaissance ou comme... Ouais. Enfin, là, on est un peu en milieu fermé, de toute façon. L'Empire, tiens, on va regarder un peu ce que je fais. J'ai l'impression que je ne fabrique plus de vaisseaux coloniaux. Croiseur. Je vais aller sur Fieras. Ah bah, autour d'une race inconnue. Et battle! Où je vais perdre ma flotte. J'ai 5 croiseurs, il n'y en a que un. Oh la vache! Flotte back! Oh la vache, j'ai tout perdu. Il m'a tout explosé, je vais détruire 3 petites frégates, c'est tout.
Bon, la flotte antarienne a tourné son attention vers les Macherans, et pas qu'un peu. Et merde. Et il m'a rasé. T'es fait avoir pas mal? Eh ben, il m'a rasé ma population. Non. Encore. T'avais dit de minérer ta défense. Ah, mais c'est une jeune planète, hein. C'est un système qui est éloigné. Ah, salaud d'antarien, tiens. Et toi qui disais que c'était bien de les avoir. Ouais, maintenant, ouais. Non, non, c'est important quand même, mais... Bon, il va falloir que j'investisse. C'est toujours Ontes 4 qui m'attaque. Pourquoi? Toujours cette même planète. Bon. Ouais, ben... Tu sais, le produit là, qui augmente les points de commandement, là? Ouais. Ça valait vraiment la peine, parce que je passais de 60 à 90. À 90. Alors, épurateur de pollution, toi j'ai pollution 15, rénovateur de 15, 5. Je suis en train. Ah, mais j'ai des centres de clonage! Ah, ça y est! Allez, holosimulateur. Pollution. Ça c'est cool, j'ai pas fait gaffe. De quoi? J'ai le holo simulateur, j'avais oublié. L'épisode précédent on a dû l'avoir. Ah ouais, ça vaut la peine, ça augmente pas mal le moral. Ah oui, oui, oui. Et plus t'as de moral, moins t'as des gens avec des piquets. Voilà, on va le laisser faire comme ça. Bon, je peux rien de plus. De toute façon, je jette un œil sur mes grosses planètes. Moi, il m'envoie une petite frégate. De trouver une solution pour là j'ai quoi, c'est 3 et 5 en planète et là j'ai 8. Ben voilà, allez, il va me faire transport civil 2 fois. Clac, en priorité. Voilà, j'ai trouvé une planète qui va réparer l'autre si elle n'est pas détruite entièrement. Hop. J'espère que ça va bien se passer. Bon, déjà, ils sont sympas de pas raser la propriété de la planète laissée à zéro, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pas rasé? Bah, on tombe à zéro. Avant, le jeu, tout était détruit, la planète, il n'y avait plus rien, quoi. Elle devenait vierge de toute vie. Donc, un peuple alien pouvait la coloniser. Là, okay, ouais. Là ça marque zéro, ça reste à ta propriété, quoi. Ah. Hein? Donc, ça veut dire que les clacons ne pourraient pas venir la coloniser. Tant mieux. Et ils repartent, ces branleurs-là. Bon, mis à part ça, j'ai perdu toute ma flotte, moi. Ils sont partis? Hein? Peut-être, tu comprends pourquoi que je chiolais, hein? Ouais. Pourquoi j'ai passé mon tour? Parce que je peux rien faire de plus et que je n'ai plus de flotte. Bon, normal. Moi, je continue à larguer des bombes. Ouais, et il va me falloir le champ gravitationnel. En recherche... Le temps que j'éloigne un de mes chats. Allez, va-t'en. C'est parce que je joue au chat de l'espace. Alors, transport militaire, oui. Je vais envoyer une flotte en défense, d'accord. Land est loin de tout. Tu me dis si tu as passé ton tour, hein. Là, je suis en train de regarder un petit peu tout ce que j'ai. Ouais, je vais juste vérifier quelque chose d'un point de vue. Je vais balancer mon robot mineur en priorité. On perd pas ce qu'on a fait, d'accord. Moi, je largue des bombes. C'est celui que je viens de voir. Prospection lithosphérique. Des fois, ils proposent ça. Tiens, c'est marrant. Robot de quoi? Production augmentée en creusant dans la lithosphère de la planète. C'est pas souvent, ça. Ah, c'est limité à la planète pauvre et ultra pauvre. D'accord, on creuse dans le noyau. Ok. Ah, mais c'est mince pour les planètes qui n'ont pas beaucoup de production, je pense. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tour passé. Bon. Espionnage.
retourner voir les claquons. Et au niveau pognon, je suis à plus 4. Aïe, 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 aïe. Là, je suis sur Ven Prime. D'accord, je suis pas très loin de toi. Port spatial, non. Pas tout de suite. On va faire un centre de clonage, évidemment. Hop. Et ici, mes transports civils, ça y est, ils arrivent. Bon. On va essayer de faire quelque chose, quand même. Moi, j'ai deux officiers de marine qui ont été promus. Mes officiers de vaisseau. Ah oui, oui, t'en as deux, toi. Ouais. Tiens, ils m'attaquent quoi, là? Ah, les pirates sont revenus. Ah bah, c'est cool, ça. C'est quand même t'en as coupé. Ouais, ouais. Ça, c'est la boucle de rentabilité maximale. Alors, ici, je suis à combien? J'ai qu'à deux vaisseaux, 53. Et au niveau de l'Empire. Il y a quand même 2, 3, 4 planètes qui font. Bon. Planétologie au prochain tour. Moi, je vais t'acheter deux ports spatiaux et une base stellaire. Bon, ben, j'en ai une là, qui va. J'ai une petite planète à améliorer là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, Sud Prime, il va falloir aider. On va faire un transport civil. Bon, rien de particulier pour l'instant, la gestion, on avance nos tours. Hein. Et je vais découvrir la planétologie, les amis. On va améliorer. And now, the new... GNN, la guerre éclate entre les Larlocks et les humains. D'accord. It is a dog-eat-dog galaxy out there as the military might of the Larlock Cabal battle against the Human Republic. Ce qui me fait penser que comme j'ai perdu une grosse partie de ma flotte, j'espère que les clacons vont rester cool. Alors, compression de géantes gazeuses, construction de planètes artificielles, super. Champ gravitationnel, portail de saut, harnais. Je n'en trouve plus celui qui dit que traverse... Ah. La techno qui permet de passer des sauts rouges, là, les sauts entre planètes, ouais. Entre systèmes, c'est quoi déjà? C'est réfraction électromagnétique? Réfraction électromagnétique. C'est pas décrit. Attends, isolant. Ah oui, c'est isolant. 18 tours. Puis le champ gravitationnel permet d'avoir des portails de saut qui permettent d'avoir de construire des raccourcis. Ah ouais, ce serait aussi utile, ça. Très utile. C'est ce que je me dis. Plus que tout le reste. Bon, les transports militaires, je les bouge. Au fait, pour les transports militaires... Oh, mon Dieu. Quoi? Les Darlocks, ils ont la techno, ils passent. Ah ouais? Pour le transport militaire, je te suggère de faire attention. Ils prennent un point de commandement à chaque vaisseau. Ouais. Moi, j'ai marche, moi je les construis uniquement quand je vais au combat. Ouais. Ah merde, les Darlocks sont là. Ah merde. Tu te fais envahir? Non, 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 non. Bah, j'ai mis mes trucs de défense, de toute façon. Les Darlocks sont en ton nord? Bah, ils sont à l'opposé de toi au niveau de la galaxie, t'es tranquille. Ouais, ça change tous les plans. Et évidemment, je perds de l'argent. Ah, oh, misère. Donc, je vais ralentir ma production encore. Bon, bah, on va remonter, on va faire du troc, de toute façon. Et transport civil encore. Allez. On va réparer cette planète-là. Diplomatie, les Darlocks, ils ont du fric, audience. What brings you here, wretch? On vient te connaître. Allez, je vais essayer d'avoir une ambassade avec eux. As it may be.
Il me dit probablement ça va être bon. Ok. Allez, pas cartographique. We think you are being overly optimistic. Non, il veut pas. Bon. Qu'est-ce qu'il a en technologie, lui? Ah, pas mal. Il a pas trop d'avance sur nous. Alors, pack commercial, il faut 479. Il va falloir à tout prix que je m'y remette dans le commerce. Allez, je passe au tour. Bien. Moi, je t'en plais qu'en bas. Ouais. Et on passe le tour. Et je vais regarder l'Empire pour la science, pour mettre des petits chatons de l'espace au travail. Alors, la flotte, justement. Pour les civils. Peut-être pour... quand tu veux varier ce que tu veux mettre sur la planète, là. Quel con, les Darlocks, je peux pas bombarder la planète pirate. Bon, bah, on bloque. Et en recherche, donc, j'ai combien, là? J'ai 5 chatons... Plus 3 manuels, plus 2, plus 2. On va mettre le simulateur. Pas évident. Je mets mes grévistes déjà en espérant que ça ira mieux. C'était lequel? Sud 2. Prime, je l'ai vu celui-là. Ouais, c'est bon. Ah, d'ailleurs, non, je vais trop vite. Je regarde un peu comment vont le moral des troupes. Il me faut l'holo simulateur, j'ai pas le choix. Ah, Sinus Prime, elle est énorme, elle. Les croiseurs. Moi, ben, j'ai un miasme qui m'empêche d'avoir des bonnes planètes, mais j'ai pas assez de puissance de feu. Il faut avoir au moins 1200 points d'attaque pour pouvoir le vaincre. Ok. Il y a des... Pour avoir perdu plusieurs flottes contre ça, là, je peux te le garantir. Et moi, je suis en train d'étudier comment booster ma flotte, justement, reconstruire. Bon. Moi, je viens déminer toute population. Augmenter le moral. Je veux bien augmenter le moral, moi. Ah oui, il me dit qu'il va augmenter le moral de combien? Allez, rénovateur atmosphérique. Oh, j'ai mon unité de réparation automatique. Génial. Les batteries orbitales. Hop. Bon. Un épisode de reconstruction, finalement, à cause des Antariens, moi. C'est vrai que ça te prend du temps dans ton empire, ça. Ouais. Et puis là, c'est vrai que je suis en train de saigner à blanc ma population avec mes taxes. Je suis au maximum. Fais gaffe. Ah mais les Darlocks, ils sont tout faibles. Ah ouais? Au niveau des vaisseaux, ouais. Fais gaffe, c'est probablement un vaisseau de reconnaissance. L'ordinateur, il préfère construire de nouveaux vaisseaux plutôt que de les améliorer. Parce que là, il a 2 destroyers et 18 de dégâts. C'est ça, je te dis, c'est un lance. Ouais. Alors, bah du coup, les pirates, ils sont plus là. Non. Ils sont plus là, les pirates. On va pouvoir ramener la flotte. Ok. Vaisseau colonial. Alors, à Thaïs, il y en a une à coloniser, c'est quoi?
5 volcaniques, elle pourra jamais s'agrandir. Elle est pauvre, donc elle m'intéresse pas. La Schwing. Ah, mais je suis bête, là. Faut que je me réveille, moi. Quoi? Bah, j'ai planétologie. Allez, au boulot. Ils sont vraiment utiles, les usines spatiales, hein? Eh oui, oui, non, mais faut que je me sorte les doigts des fesses, là. Station orbitale, construit et transforme les planètes de gaz et les astéroïdes en planètes habitables. Ouais. Construisent des stations spatiales améliorées, les points de saut. On va te laisser là. Et sud, c'est quoi? Jusqu'à 5 irradiés abondants. Voilà, on va coloniser sud. J'ai une flotte de 80 avec 500 de défense. C'est pas mal, pas mal du tout. Je vais peut-être regrouper tous mes vaisseaux pour détruire l'astico de l'espace. Ah bah oui, c'était ça aussi, mon chien. Donc il n'y a pas d'urgence à coloniser sud. Priorité, on va regrouper nos flottes. Voilà, je passe les tours. Hein. Ta flotte de combat, elle a le combien de points d'attaque? Mes vaisseaux. Alors attends, vol de carte, clacon, capturé. Si je regarde les plans un peu. Frégate 16, 60. 16 attaques, 60 défenses. Les éclaireurs, ça compte pas. Destroyer 14, 83. Et les croiseurs, 33, 164. Ah, moi j'ai 15 attaques pour le destroyer, puis mon croiseur, il y a 24 points d'attaque. Ah ouais, il y a une petite différence. Et frégate à 16 d'attaque, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Un espion, attends. Le destroyer? Hop, mon destroyer est à 33 d'attaque. Non, je dis des bêtises, attends. Je confonds. Destroyer est à 14 attaques le destroyer, c'est le croiseur qui a 33. Ok, oui. Moi j'ai juste mis des missiles, le Merculite puis deux bombes. Ouais. J'ai pas ça, moi je l'ai mis deux bombes. Ben c'est plus mon. Il l'utilise plus comme bombardier. Alors. Tiens, je suis remonté à 514 crédits. Diplomatie. Les clacons, ils ont 533. Les Darlocs, ils ont 400. Bah les clacons pour l'instant. Audience. Why do you? Pacte commercial proposé. Voilà. Et on va continuer nos négociations. On a capturé un espion de chez eux. Toujours Alpha, d'accord. Proposé. Bombe à fusion avec. We are loath to repeat ourselves. Voilà, on en dit du fric. Bon, écoute, je crois qu'on va arrêter ici notre épisode 15. Ma claque contre les Antariens. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, passer le tour. Finir le tour, ouais. Et bah écoute, pour une saison 4X, c'est pas mal. On discutait un petit peu off, on vous le dit comme ça en conclusion. Tu me parlais de Civ et tout, bah toujours rien pour CQUI, c'est bloqué. Notre autre partie est complètement en pause. Sinon, j'aurais bien une autre idée, mais il faudrait qu'on ait fini celle-là. Je voudrais pas faire deux 4X en même temps, quoi. Qu'on avance bien Master of Orion. Et si je monte à 3 épisodes, donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 septembre, je dis pas de bêtises, c'est ça? Ok. Donc la semaine prochaine, je vais monter à 3 épisodes de Master of Orion, comme ça, on avancera un peu plus vite, si ça vous plaît. Faites-nous des retours si c'est trop. Et puis, Rich Cool, merci. De rien. Allez, à bientôt, ciao.